Bonjour à tous, je vais vous faire une vidéo sur Big Sky Infinity ou Big Ski Infinity, mais bon, je préfère dire Big Sky Infinity. Bref, faut arrêter de parler pour rien dire. Donc le jeu, vous avez reçu 5000 étoiles, bah ils sont gentils. Qu'est-ce que le jeu? Alors vous avez plusieurs modes que vous allez débloquer au fur et à mesure. Vous avez le mode classique, tout simplement. Où par exemple j'ai fait 1 042 000. Vous avez le mode paisible, donc difficulté 1, vie limitée, bon là c'est pour s'amuser sans s'arrêter. Le mode arcade, pacifique, marathon, compte à rebours, ruée vers le boss, cauchemar, nu, etc., remix, enfer, exhibition, voilà. Ensuite, mis à part ça, vous pouvez voir si vous le souhaitez, tout simplement, les scores aussi. Alors, les scores, c'est carré. Score élevé, amico, voilà, bah, j'ai un collègue dans mes contacts qui m'est passé devant. Bref, on s'en fout des scores. On va un peu jouer quand même. Je pense que c'est le mieux. Ah, ça, c'est des améliorations que vous pouvez faire quand vous gagnez des étoiles. Donc, j'ai gagné 9000 et quelques étoiles. Au début, c'est tout vide. Et après, au fur et à mesure, vous agrandissez, ça vous fait gagner des compétences. Donc, par exemple, on va faire monter celui-ci. Et c'est parti. Vous allez voir le jeu. Donc encore un jeu, on va dire, de shoot, comme Sinmora, Flying Hamster HD. On pourrait dire un petit peu aussi Super Stardust. Donc le jeu, vous bougez, enfin plutôt Super Stardust, vous bougez avec le joystick gauche et le joystick droit, comme Super Stardust, pour tirer de tous les côtés. Donc les étoiles, c'est ces petits trucs blancs là. Alors c'est rageant parce que vous en envoyez plein mais vous ramassez pas tout. Donc le jeu, c'est de tirer sur tout ce qui arrive, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous allez me voir. Ah, une planète. Quand il y a une planète, on appuie sur X. Et là, on peut la traverser, sinon on explose. On n'appuie qu'une seule fois. Moi, au début, je ne comprenais pas. Je faisais que appuyer. J'explosais dedans. Donc, il faut appuyer qu'une fois. Mais là, par contre, si j'essaye de tirer... Voilà, là ça marche pas parce que j'appuie sur X. Je rappuie pour l'enlever, maintenant je peux tirer. Alors. Ah, ça c'est un super shoot. Ah, vous avez aussi comme là un multiplicateur. Pour multiplier vos points là-haut. Fantabulous. Vous avez aussi la possibilité, mais bon là ça sert à rien, d'appuyer sur R1. Enfin, ah ben voilà, afin d'exploser ce qu'on va voir. Ah mince, non, ben non. Enfin si, on va pas tarder. Ça c'est un des boss. Un des 4-5 boss. Voilà, quand vous avez des trucs verts, enfin non, c'est rose ce truc vert, vous appuyez sur ce que je vous ai... Ah non, j'ai perdu. Non. On va faire autrement. On va faire un autre jeu. Un autre mode. On va faire un autre mode. Donc ça c'est les stats, voilà, ça c'est tous les modes. J'ai joué 66 fois au classique par exemple. Oui Minette, laisse-moi jouer, ok? Oh. Laisse-moi jouer. Donc j'ai joué 66 fois au classique. J'ai fait mon meilleur score, c'est 1 042 996.
Le paisible, si elle n'a pas, c'est parce que, comme vous avez vu peut-être tout à l'heure, c'est que c'est tout infini. Donc forcément, il n'y a pas de points si c'est infini. Arcade, 1 068 000. Pacifique, 206, etc., etc. En sachant qu'il faut faire 120 000 de partout pour avoir un trophée. Donc, que j'ai eu. Là, vous avez les ennemis tués. Les boss tués. Alors, les trophées. Tout simplement. Là, c'est bien aussi puisqu'ils vous disent, voilà, par exemple, là, pour... Tolkienesque, tout voir, je sais pas ce que c'est, mais je suis à 87%. Excusez-moi, c'est où? Là par exemple, détruire 20 000 ennemis, je suis à 71. Donc ils disent un petit peu là, 1 sur 12, c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure. Vous voyez ce qui était en rouge, ce que j'achète avec les étoiles. Donc j'en ai acheté que 1 sur 12 parce que c'est super lent, faut jouer beaucoup de fois pour gagner des étoiles et pour pouvoir acheter. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Stats, score. Les stats, voilà, j'ai fait 113 parties. Mon score cumulé 13 millions, etc. Bon, vous pouvez savoir tout. Ça fait 3h45 minutes que je joue. En tout, bien entendu, pas maintenant. Donc, on va faire un autre mode. C'était pour vous montrer un petit peu. J'essaye de vous montrer. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, vous avez les options. Vous avez. Les scores pour voir les scores. Bibliothèque, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est. Ah oui, c'est pour voir tout ce qui existe peut-être. Ensuite, les stats. Cheval, alors là, c'est pour. J'ai jamais fait ça par contre. C'est pour lancer des défis à nos amis, tout simplement. Si ça veut bien se connecter, voilà, emplacement vide. Pour commencer une partie de Horse, choisissez qui défier l'un de vos amis ou l'univers tout entier dans les options ci-dessous, puis appuyez sur la touche cercle pour retourner au menu principal. Donc défier un ami, défier l'univers, etc. Comment jouer à Horse, il vous explique. Moi ça j'ai pas fait pour l'instant, ça m'intéresse pas, il y a déjà de quoi faire sur le jeu normal. Bien entendu, ce jeu comme. Alors on va jouer à quelque chose, par exemple un qui est un petit peu plus dur, cauchemar. Voilà. Ce que je disais, c'est que comme pour Sinmora, pour Flying Hamster, ou même on va dire pour Super Stardust HD, ben, le problème c'est que voilà, c'est des petits jeux pour jouer de temps en temps comme ça, on peut pas y passer non plus des heures, même que celui-là, les 3 heures, je les ai presque passées d'un coup. Donc là j'ai trois bonus à utiliser. Voilà. Les 3 ou 2 ou 1. Voilà. Donc ça c'est un petit peu chaud. C'est pour ça que c'est un des seuls où on a beaucoup de points. Tout simplement parce que. Ah ben voilà. On va peut-être réessayer. C'est parce qu'on perd assez vite normalement. Parce que c'est hard. Donc c'est ceux qui aiment bien le challenge. Qui arrive à faire un peu tout et qui trouve peut-être que c'est facile, même si moi je trouve pas que c'est facile, là vous pouvez faire ça. Excusez-moi, ça permet de rajouter de l'adrénaline et de la difficulté. Dans ce jeu, vous avez beaucoup les couleurs derrière qui changent aussi. Je sais pas c'est quoi qui fait changer les couleurs, ça change un peu tout seul, je pense. Dans le jeu, on va dire normal, là, dans le mode normal, bah, des fois ça va vite, des fois ça ralentit, ça va dépendre. Ceux en tout cas qui aiment le scoring, alors là ils peuvent essayer de. Là ils vont s'éclater.
qui veulent essayer d'être les meilleurs. Il y a énormément, comme vous avez vu, de... Il y a énormément de choses à faire. Enfin, de modes de jeu à essayer d'être premier. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça ralentit, ça change, maintenant c'est du noir et blanc. Oh là, c'est chaud là. Oh là. Et voilà, j'ai perdu. Oh, 314 000. Bon, ben j'ai amélioré mon score. Alors, je vais pas jouer bien plus. Vous avez compris le système. J'ai pas besoin vraiment de vous donner. De vous montrer plus. Je vais juste vous montrer un truc au niveau des scores que je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est quand on va vraiment dans les scores ici. Là, vous pouvez. Tout à l'heure, il montrait les meilleurs en ligne, on va dire. Là, carrément, vous avez vraiment le score. Voilà, combien vous êtes. Moi, par exemple, là, je suis 1180e, 1196e dans le classique. Au début, j'étais même mieux placé, mais bon, depuis, j'ai pas joué. J'ai joué qu'une fois, comme je vous ai dit, pratiquement les 3 heures, j'ai dû jouer une fois. Là, par contre, voilà, je suis 216e au niveau de l'arcade. C'est pas mal, je suis content. C'est mieux que 1000. Ben voilà, 1065 pour Pacifisme. Marathon, ça doit pas être terrible non plus. Peut-être Cauchemar. En 1192. Compte à rebours en Uverlon. Cauchemar. Ouais, c'est Cauchemar. Je crois qu'ils. Par contre, ils ont pas dû prendre en compte les 314 000. Je dois être encore dans les 200 et quelques. Parce que souvent, ils mettent un petit peu de temps avant de les prendre en compte. C'est ça, 204 000, je suis à 554e. Donc si on... mince. Il ouais, faut que ça les mette à jour. Donc... 314 000. Alors, je vais peut-être dans les 200. Non, même pas. Voilà, dans les... presque 300. Bon, on s'en fout. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, pas grand-chose. Petit jeu sympathique, qui peut être un petit peu addictif au début, qui peut être quand même lassant aussi à force, puisque c'est un peu toujours la même chose. Sauf pour ceux qui, je le répète encore, adorent le scoring et faire essayer de se surpasser. Et ceux qui aiment la difficulté et les trophées, qui sont pas toujours très accessibles. Il faut arriver à les gagner, non? Voilà, bah, je crois que c'est tout. Le jeu coûte pas très cher, si je me rappelle bien. En même temps, c'est ceux qui ont le PlayStation Plus peuvent l'essayer, l'avoir gratuitement. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas, si vous hésitez, bah, prenez le PlayStation Plus, rien qu'avec Uncharted, Gravity Rush, Mortal Kombat et tous les autres petits jeux. Franchement, c'est les 50 euros de l'année valent le coup, sachant que vous n'avez pas que ça, puisque chaque mois, vous aurez encore des nouveautés. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.